Allez, viens là. Alors, celui-là, de la bombe atomique, Jérôme. Alors. Attends. On n'a même pas rangé le Et tour. rebonjour. Ouais, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais bon, on n'a Et même oui, pas mais comme c'est rangé. pas le même tour. Alors, il y a une carte cornée. On peut Allez, l'enlever. une carte clé encore. On l'enlève pour pas qu'on puisse dire. Ouais, c'est bon, normal. Ouais, on s'en fout. Ah non, mais j'aurais pu faire une combine. Alors, regarde ce qui va se passer, Jérôme. Tu mélanges. Et étant donné que tu vas voir ce qui va se passer après, tu comprendras que tout, je ne vais pas te faire mélanger comme ci, comme ça, on s'en fout, c'est pas important. Alors, regarde ce qui va se passer. Ok. Allez, c'est bien mélangé. Si je te fais ça, par exemple, voilà, ça. Ouais. Maintenant que je te fais ça, est-ce que tu peux voir les cartes que j'ai enlevées? Ah non, comme ça là tout de suite, il faudrait Même en que... forçant un peu, hop, Non, ben non, c'est... tu peux pas. Non. Là, tout de suite comme ça, non, pas T'as vu ce possible. que j'ai fait? Eh bien, tu fais la même chose. Prends des cartes au Et hasard. surtout que tu as regardé, toi, le jeu. Donc, tu peux à peu près voir où était quoi, plus ou moins une carte qui Non, t'a plus. Non, même pas? non, même pas, j'ai même pas essayé de Vas-y, regarder. prends. Est-ce que tu peux t'imaginer ce que tu as pris? Ah là, c'est ce que j'ai pris? Ah non, Ouais. impossible. Regarde ce que tu as pris. Tu n'aurais pas pu imaginer que c'était ça. Ah, pas du tout. Regarde ce que je t'ai donné. Tu n'aurais pas pu imaginer ce qu'était ça. Pas du tout. Par contre, je veux. Alors, j'ai fait au hasard, comme tu as mélangé, je ne sais pas ce que je t'ai donné. Je voudrais que dans les cartes que je t'ai données ou que tu as pris, il y ait un joker. Non, Non? Non. Non. Tu vas prendre encore quelques cartes pour essayer de trouver le joker. Ah, Le, no le j'ai nombre que trouvé le tu veux. joker. Ouais, le nombre que tu veux. Ça sert à rien ce que je te fais, mais c'est juste pour changer un peu de protocole. Alors, je sais pas combien t'en Allez, c'est prends, là, bon, je sais pas combien t'en prends, je vois pas. Il y a le joker? Pas du tout. Alors, regarde, moi, je vais t'aider. Je vais t'aider. Parce qu'il faut le joker, et si on fait ça jusqu'au bout, après, tu le vois ou pas? Oui. Oui, tu l'as vu? Oui. Bon, ben, cherche-le. Donc, en fonction du mélange, tu pourrais voir quand même. Allez, prends. Attends, il J'ai était vers le milieu. fait deux Ouais, fois, t'as allez. fait ça, donc il va se retrouver dessous. Ouais, dessus, allez. Tu l'as remélangé, il se retrouve vers le milieu. Ça, Allez. je te dis, ça sert à rien tout ça, parce que le but, c'est que j'ai un joker et toi, que t'es des cartes. Vers le milieu, t'as étalé là, c'est là, il se trouve dans cette partie. Allez, Ouais. une. Je vais taper dans le Fais milieu. ce que tu veux, Deux. prends. Tu peux en prendre même 12, Trois. c'est... Au moins, t'es sûr de l'avoir. Parce que le but, c'est d'avoir le joker et après, on peut commencer le tour. On va revaler vers le milieu, ici. Attends, regarde. J'ai Regarde. pris que vers le milieu, hein. Oh. Tu l'as? Ah ben voilà. Tiens, mets-la Je l'ai. là. Mets-la là. Si tu veux, vas-y, pose. Et regarde tes cartes. Si tu penses que tu n'en as pas assez, tu en rajoutes, tu fais comme tu veux. C'est bon? Ouais. Allez, donc je ne peux pas savoir combien t'en as. Le but, je ne sais surtout pas ce que t'as dedans. Ah ben ça c'est une certitude que tu sais pas ce qu'il y a dedans, oui. D'accord. Allez, ça, on n'en a plus besoin. Joker, on va le mettre vers le bas. Tu vas prendre ça et tu vas les mélanger. Je vais me retourner. Oh. Je cache bien de toute façon, ils ne sont pas marqués. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire deux tas. Par exemple, tu mets trois cartes ici, trois cartes là. Quatre cartes ici, quatre cartes là. Deux tas identiques, mais il faut qu'à la fin, il t'en reste un peu dans les mains. D'accord. D'accord? Donc tu peux en mettre 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Un nombre identique, n'importe Un nombre où. identique de n'importe où, mais D'accord. du moment que c'est identique et que l'autre, tu gardes dans les mains. Ok. Moi, je ne regarde pas et je ne veux pas entendre le nombre, je veux que tu sois discret. D'accord? C'est important que je ne puisse pas savoir ce que tu poses et Ça y le est, c'est nombre. fait. Je suis allé vite. Je ne peux pas avoir le nombre de cartes, c'est bon? Ah non, moi, ce que tu te retournes et que vraiment tu les comptes, Non, mais j'ai pas pu mais... entendre. Non, non, Ah, ça non. d'accord. Pour moi, on refait, hein, Non, aucun c'est bon, souci. attends, je vais bien les égaliser au moins comme ça. Je ne vais pas me retourner. D'accord, Je alors voulais c'est... être sûr que tu ne puisses pas dire que Non, j'en ai c'est pas pas. possible. Alors, tu vas prendre un tas, un des deux, et tu vas le mettre sous le tapis ou dans ta poche, où tu veux. Allez. On s'en débarrasse pour l'instant. Sous le tapis. Voilà. Et la carte qui est dessus, là, sur Ouais. la table, tu
Soit tu prends celle-là, soit tu le mélanges et tu en prends une autre, mais tu laisses. Non, je prends celle-là. Allez, c'est le hasard, tu prends la carte, tu la regardes, tu la montres à tout le monde. Est-ce que franchement je peux la connaître? Ah non, impossible. Y a de toutes les conditions de magicien qui peut y exister pour retrouver non. une carte, ça ne peut pas. D'accord. Alors déjà ça commence bien. Ah, c'est très bien. Il te reste un paquet dans les mains, tu poses dessus. Donc la carte, je ne sais même pas dans quelle position elle est. Ah, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas combien tu as de cartes, je ne sais pas combien il y a sur la carte tout à et fait. Combien il y a sous le tapis. Ah, tout à fait. Il n'y a rien que je peux savoir. Je suis entièrement d'accord. C'est merveilleux ce tour. Ben, on va voir la suite. Tiens, regarde, ce que tu peux faire, c'est que tu peux même prendre 3 cartes du dessus et les mettre sur avec tes cartes en plus. 3 ? Ouais, on s'en fout. Alors pourquoi ça ? C'est juste pour embrouiller. Voilà. C'est bon ? Ouais. Tout à l'heure, je t'ai fait un tour à la trapèze avec les enveloppes. Mm. Eh ben, on va faire une dessous, une sur la table. Une dessous, une sur la table. Il va t'en rester une à la fin, dans les mains. Une sur la table. Une dessous, une sur la table. Tu peux le faire en silence, hein. Moi, je veux pas savoir. S'il reste ma carte, mangeur. Hein. J'ai pas dit qu'il restait ta carte. Ouais, mais bon. Mais j'ai dit qu'il y avait un joker là. Ok. C'est bon ? Mets là. Ça serait une sacrée coïncidence. Bah, mets ta main dessus là. Je veux pas voir. Je veux pas estimer parce qu'il y en a qui font ça, mais malheureusement, moi je suis pas capable. Joker ? Je peux le toucher celui-là. Oui. Je t'avais dit que j'ai besoin d'un assistant parce qu'un truc comme ça, tout seul, je peux pas y arriver. Ah ! Si tu m'annonces la carte, je mange un rat. Non, ça, je peux pas te le dire. Ah. La seule chose qu'il me dit, lui, parce que c'est lui qui me parle, c'est que t'as 7 cartes là-bas dessous. Alors que je pouvais pas savoir. Et toi non plus. 7 cartes dans sous ta table. Ah, j'ai 7 cartes sous 7 le tapis cartes, ouais. Je sais même pas combien j'en ai mis. Ah, ben oui, si, je suis con. Oui. Après, parce on que... en a rajouté, mais. Oui, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est belle l'histoire là. C'est impossible. Ah ben c'est balèze, ouais. Parce que pourquoi tu m'en as fait mettre 3, pourquoi pas. Comment ouais, mais j'ai dit au hasard pour dire, tiens, si on remonte, pourquoi. Et s'il mettait 4. Et en plus, je sais pas combien t'en as. Puisque tu. C'est toi qui non, poses. Non, mais je suis d'accord. Mais donne australienne. Il me dit un truc. Il me dit que c'est ta carte. Il me dit que c'est le valet de carreau. Comment je pouvais savoir? Ça, c'est joli, ça. Valet de carreau, regarde. Attention, quoi? Comment? Carreau? Putain de tour automatique et qu'on n'arrive pas à remonter. Il n'y a rien d'automatique, c'est des pouvoirs. Oui, oui. Alors là, je te garantis, c'est les vrais pouvoirs. Non, mais c'est là où on voit quand même que, avec, on va pas s'envoyer des fleurs, mais avec la connaissance quand même et la culture qu'on a en magie, qu'on arrive à se faire... C'est le cas de dire, niquer avec un tour, ben, fait forcément automatique et tu fous rien. Donc, De toute façon, je pense qu'il n'y a que du tour automatique pour te faire avoir. C'est impressionnant. Parce que moi, si j'arrive, je te fais ça, ben, c'est bon, il a fait un MC, carte les dessous. Non, mais c'est là où les gens, quand j'entends, ben, on est bien placé, hein, on répond tous les jours au téléphone à 500 milliards de clients qui nous appellent pour rien. Vous n'avez pas un bon livre à nous conseiller? Non, mais moi, je ne veux surtout pas de tour automatique parce que je veux faire de la manip. Ouais, ben. Un bon tour automatique, il... Tiens, prends un scotch et tu te l'enroules. Parce que c'est... ça fait mal, hein. Et bien sûr. Ouais, franchement, c'est beau. C'est... Bon, après, comme je dis... Franchement, c'est beau. Vous lisez un livre, et après, vous l'imaginez comme vous voulez. C'est pour ça que c'est bien un livre. Parce qu'un DVD, ben, vous allez faire exactement ce qu'il vous dit. Moi, à chaque fois qu'il y en a un qui vient au magasin et qui fait... Et que la carte elle remonte, il dit ah lui il a ça, des milices. Il aura des milices, ouais. Il aura des milices. Alors c'est très bien, milices. Mais ou alors vous regardez un DVD et vous le faites à votre sauce, mais arrêtez de faire exactement pareil. Et les livres, c'est bien, c'est que vous l'imaginez comme vous voulez. Vous avez compris le truc, mais après la présentation, vous l'imaginez. Et c'est ça qui est bien dans un livre. Et moi et même Jérôme, on a appris avec les paillots, on a appris avec. Il n'y avait même pas d'image. Donc on est un peu conditionné à lire et à trouver... Le peu d'anglais que j'ai appris, moi je l'ai appris en lisant les bouquins. Donc, voilà, il a appris l'anglais en lisant. Et encore, c'est le cas de... Donc voilà, lisez, culturez-vous. Culturez-vous. Culturez-vous avec un peu de tout. Et, non, c'est balèze. Hein. Et si ça vous plaît, mettez des pouces comme ça. Et celui qui et le seul qui me met toujours des pouces vers le bas, ben, continue à le faire. C'est toujours le même, je le connais. Parce qu'à chaque fois qu'on me met un truc, on sait qui c'est, et ben voilà, hein, continue, si ça te plaît pas, c'est normal. Le mieux c'est de ne plus nous regarder. S'ils n'aiment pas les tours automatiques... Non mais il y en a, ils nous aiment pas, et ils continuent à nous regarder.
ne nous regardez pas. On est toujours les mêmes cons, hein, on n'a pas changé. C'est vrai, surtout toi. surtout moi. Bon, ben merci à vous, mettez des plus, des pouces si ça vous plaît. Non, mais c'est balèze, si franchement, j'avoue que c'est fort. Hein. Et nous, ça nous donne envie de continuer. De toute façon, moi, j'aime bien et je continuerai à lire et à chercher. Et voilà. Et oh, un truc rare, un papillon qui vient de rentrer dans le magasin. Ah ouais. Voilà, merci à vous, à tout bientôt. Ouais, très fort.